Ça y est, Ben? Oui! Tu es certaine en ce qui concerne notre destination? Oui! Et maintenant, silence! Je suis en train d'appeler mon père! Tu as bien dit qu'il s'agissait du mont Alpuzu, pas vrai? Alors, c'est le mont Alpuzu, oui ou non? Allô? Oui, je l'ai dit et répété, c'est bien le mont Alpuzu, crème d'abruti. Tilda, c'est toi? Oui, papa, excuse-moi, ce n'est pas à toi que je m'adressais, mais à Farhat. J'aurais plutôt cru que c'était un garçon intelligent et pas un abruti. C'est vrai, je dois avouer que d'ordinaire, il n'est pas plus stupide que la moyenne. On aura tout entendu. Le problème, c'est qu'il m'a demandé au moins 10 fois si j'avais calculé correctement notre prochain objectif. Il manque pas de culot, ce type. Comment ose-t-il mettre en doute le talent et l'extraordinaire génie de mon adorable petite fille? Mes calculs sont fiables à 100%. Nous devons nous rendre au mont Alpuzu, situé au cœur du Sahara, car c'est là qu'apparaîtra le 6e et avant-dernier fragment du Shariman. Et comme d'habitude, c'est la course contre la montre, parce que le temps presse. Absolument. Savais-tu qu'Egokan et Snarkov ont même kidnappé les cousins de Ben pour tenter de nous ralentir? Quoi? Mais par tous les diables de l'enfer, c'est une catastrophe! Ne t'en fais pas, on les a tous délivrés. Mais maintenant, nous devons nous dépêcher, il ne nous reste plus que 31 heures, 18 minutes et 27 secondes. Allez, en route tout le monde. La potion capable de nous faire voler n'est pas encore prête. Une partie des ingrédients doit macérer quelques jours de plus. Mais j'ai un turbo élixir pour faire accélérer les chameaux. C'est parfait, allez tous à vos montures. N'oublie pas, toi seul désormais responsable de ma vie. Et accessoirement, de mon dos. Alors vas-y doucement. Bon, ben c'est parti pour le turbo élixir. Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait un chevalier en armure. Ça alors, je n'en reviens pas. Ça fait bien longtemps que je n'avais pas vu quelqu'un porter ce genre d'accoutrement. En tout cas, il n'a pas l'air très amical. On n'a pas de temps à perdre. Ali, occupe-toi de lui. Et à vos ordres, chef, il faut seulement que je change de potion. Le filtre du guerrier. Quoi? C'est impossible! Ce chevalier en armure m'a coûté une véritable fortune et il ne vaut pas un copec! Mais savez, cet ingénieur m'avait garanti qu'il était indestructible! Les incapables, je vais les flanquer à la porte en moins de temps qu'il le faut pour le dire. Ah, vraiment? Je trouve que tu renonces un peu trop vite. Je pensais que vous étiez encore en train de vous baffrer, je veux dire, de vous ressourcer dans un bain de pétrole. Oui, mais j'ai soudain eu le pressentiment que tu étais en train de manigancer quelque chose et j'ai voulu en avoir le cœur net. Disons que j'essayais seulement d'œuvrer en notre faveur. Je ne voulais pas vous vexer en agissant ainsi, ô maître. Je ne suis pas vexé et malgré tout ton insignifiante tentative pour les arrêter m'a donné une idée de génie. N'as-tu jamais entendu parler du code d'honneur solennel des Bédouins? Ah oui, vous voulez dire des règles de chevalerie stupides édictées par une bande de misérables va-du-pieds. Tu as tort de sous-estimer l'importance de l'honneur chez les Bédouins, parce que grâce à ces règles stupides, comme tu les appelles, je vais attirer Farhat dans un piège dont il ne pourra pas s'échapper. Prince Farhat Ben Hacer, je te défie solennellement de m'approcher en duel, selon le code d'honneur du désert. Il y a des idiots qui n'ont pas compris que la nuit servait à se reposer. Encore lui? Pas de panique, je crois qu'il lui reste quelques gouttes de potion. Non, attends. Est-ce que tu as entendu ce qu'il a dit? Ouais, il t'a défié en duel selon le code d'honneur du désert. Alors vas-y, petit gars, transforme-le en chair à saucisse. Ben, mon sabre. Tout de suite. Tu n'as pas l'intention de... Mais ne t'en fais pas. Je l'ai très bien entraîné. Mais il doit récupérer le 6e fragment dans quelques heures. Il ne peut pas courir le risque de se blesser seulement parce que... Il n'a pas d'autre choix, fillette. Oh.
n'as pas le droit de t'interposer. Hé, je peux savoir pourquoi? Parce que ce chevalier l'a défié en duel selon le code d'honneur des Bédouins. Et alors? Si Farhat refusait de se battre, il serait déshonoré. Or, selon la légende, le prince élu se doit de rester digne et de garder son honneur intact pour mener à bien sa mission. Mais d'où il sort ce Lascar? Et qu'est-ce qu'il nous veut? Il s'agit certainement du spectre d'un guerrier mort depuis longtemps. Peut-être que nous avons violé son territoire. Mais si c'est un fantôme, alors pourquoi? Peu importe qu'il s'agisse d'un homme ou d'un fantôme, un défi reste un défi. Je n'y comprends vraiment rien. Ne t'en fais pas pour ça. Oui! C'est du bon travail, petit gars! Comme on dit, il vaut mieux battre le fer tant qu'il est chaud. Hein? Oh, j'avais vu juste, on a affaire à un fantôme. Alors on ferait mieux de plier la tente et de s'en aller discrètement. Vous ne croyez pas? Tu as raison, ne restons pas là, Ben, s'il te plaît. Je t'ai observé pendant que tu te battais en duel. Tu étais héroïque. Je peux dire sans me tromper que tu as l'étoffe d'un grand chevalier. Mais je te préviens, si jamais tu t'exposes encore à ce genre de risque inutile, je te tords le cou, compris? Comme c'est ironique, je dois dire que je ne m'attendais pas à cela de la part du prince élu. C'est pourtant vrai, si je n'ai pas mes 8 heures de sommeil, je suis incapable de fonctionner normalement. Pas Farhat Benacer! Nom d'une tornade, j'ai déjà entendu cette voix quelque part. Je te défie solennellement de m'affronter en duel, selon le code d'honneur du désert. Ne me dites pas que c'est encore ce type. Minute, tu n'es quand même pas assez stupide pour y retourner. Oh. Le code d'honneur du désert est une loi en soi et nul ne peut s'y soustraire. Et moi, je trouve que c'est totalement absurde. À mon tour maintenant. Voyons un peu si tu arrives à suivre mon rythme. Ben, maintenant que tu as fini de jouer au petit soldat, en route. Je te rappelle que le temps presse. Oui, allons-y. Tout marche comme prévu. Ce maudit cafard de Farhat n'est pas assez perspicace pour se rendre compte du piège diabolique dans lequel j'ai réussi à l'attirer. Amara Eshishim Shavash Skalenke. Et maintenant va, tu as de nombreux combats à livrer. C'est un long duel sans fin qui t'attend. Wow! Il est temps de vérifier notre itinéraire. On est dans la bonne direction. Alpuzu est droit devant à 7 heures de route. Avec le turbo-élixir, c'est comme si nos chameaux avaient des ailes. Oui, personne ne peut nous rattraper. Pas même le chevalier fantôme? Non, aucune chance, j'en mettrai mes passes à couper. Restez là, je m'en occupe. Je crois que tu viens de perdre tes petites menottes. Je te défie solennellement de m'affronter en duel selon le code d'honneur du désert. Ben, monte la tente ici. Profitez-en pour vous reposer, pendant que je l'envoie au tapis. Ce n'est pas nous qui avons besoin de repos, mais plutôt toi, espèce de casse-cou. Arrête-le! Navré, mais je ne peux rien faire. Tu as raison. Je ne vois pas ce qu'on peut attendre d'un individu aussi balourd et têtu que toi.
Écoute, je sais ce que tu peux ressentir, mais le code d'honneur du désert est formel. C'est écrit noir sur blanc. Toute personne ayant été solennellement défiée selon le code d'honneur du désert ne peut recevoir aucune aide extérieure. Ni avant, ni pendant, ni après le duel. Quoi? Mais c'est une honte! En bref, celui qui ne respecte pas cette règle se verra déshonoré. Pour toujours. C'est grotesque. Ce fantôme est vraiment un dur à cuire. Farhat, j'arrive! Et la minute, fillette! Souviens-toi, toute aide est strictement interdite avant, pendant et après le combat. Oui, je sais, mais regarde un peu dans quel état il est. C'est étrange. Comment expliquez-vous qu'après avoir été découpé en 1000 morceaux, ce chevalier soit malgré tout revenu comme une fleur? Ben, tu l'as dit toi-même, non? C'est un fantôme. Les fantômes sont normalement prisonniers des lieux qu'ils hantent. Et celui-là, ça fait un moment qu'il nous suit. Il faut croire que c'est un fantôme voyageur. Quoi qu'il en soit, je dis qu'il faut reprendre la route tout de suite. Si ça continue, on n'arrivera jamais à temps pour recueillir le 6e fragment. Je sais ce que vous êtes en train de penser. Si je n'avais pas perdu tout ce temps en affrontant le chevalier, on serait en train de faire la sieste au lieu de voyager sous cette canicule. C'est toi qui le dis, pas moi. Farhat Benacer, je te défie solennellement de m'affronter au duel. C'est impossible. Selon le code d'honneur du désert. Bon sang. Continuez, j'essaie de vous rejoindre dès que possible. Yeah. Quelqu'un peut me donner de l'eau? Tu n'as pas le droit d'accepter de l'aide, petit gars. Et tu le sais. Allez, vas-y, tiens bon. Je commence à en avoir assez de cette comédie. Merci. Je ne peux pas. C'est très bien. Je suis très fier de toi, ouais. C'est de la folie pure. Vous avez tous perdu la tête. C'est bon, on peut repartir. Partez devant pendant que je me charge de l'enterrer. De cette manière, son âme parviendra peut-être à trouver la paix. Et maintenant, repose en paix, noble chevalier du désert. Mashi Hanki Shinshabasha Lenki. C'était véritablement une idée de génie. À votre avis, combien de temps ce misérable gamin sera-t-il capable de survivre? Le but est de lui faire perdre le plus de temps possible, qu'il n'ait jamais la chance de recueillir le 6e fragment. Et si tel est le cas, le petit prince aura tout perdu. Prince Farhat Benacer, je te défie solennellement de m'affronter en duel selon le code d'honneur du désert. Non, je n'arrive pas à y croire. Encore. Farhat Benacer, je te défie solennellement de m'affronter en duel selon le code d'honneur du désert. Farhat Benacer, je te défie solennellement de m'affronter en duel. Oh non, ça ne s'arrêtera jamais. Prince Farhat Benacer, je te défie solennellement de l'affronter. Prince Farhat Benacer, je te défie. Oh, regardez, le sommet devant nous, c'est le mont Alpuzu. Dépêchons-nous, on n'a plus une seconde à perdre.
Farhad, Ben Farhad, tu ne peux pas céder cette fois-ci, sinon on est sûr de louper le sixième fragment. Selon le code d'honneur du désert. J'aimerais pouvoir suivre ton conseil, Tilda. Mais hélas, je n'ai pas le choix. Je suis sincèrement désolé. Vous vous rendez compte de ce qui va se passer? On va louper notre rendez-vous et on pourra dire adieu au sixième fragment. Selon les chroniques de Saracen, le légendaire Ahmed Mawati fut le seul homme jamais capable de livrer 17 duels consécutifs. Et il succomba au dernier. Vous savez combien Farhad en a livré jusque-là? 16, c'est ça? 19 duels stupides et inutiles! 19! Ce gamin est surprenant! Oh, tu te rends compte que c'est seulement une question de temps avant qu'il ne succombe à son tour? Oui, je le sais, mais tu oublies le code! Oh, je vois, si j'ai bien compris, tu as attendu près de 900 ans pour finalement renoncer face à ce genre de règles idiotes! Bravo! Ah, tu t'es bien battu, petit gars! Ah, ce n'est rien, juste une égratignure. Je vais soigner cette plaie. C'est... Non, tu as oublié! Le code d'honneur stipule clairement que tu ne peux pas l'aider, ni avant, ni pendant, ni après le combat! Puisque c'est comme ça, allez tous au diable! Allez, remettons-nous en route. Comment n'y avais-je pas pensé avant? J'oubliais un principe fondamental de raisonnement logique. Chaque problème renferme sa solution. Yaaah! Tu vas tenir ta langue, oui? Aïe! Oh, espèce de maudite boîte de conserve toute rouillée! Il se passe des choses vraiment étranges ici. J'ignore de quoi il s'agit, mais je ne vais pas tarder à le découvrir. Ya! Ya! Allons rejoindre les autres! Ali Shamesh Ashin Shila Shalinki! Il lui manque la tête. J'espère qu'il n'est pas en train de tomber en lambeaux. C'est cette fille qu'il a. Mais ce n'est plus très important maintenant, car d'ici peu, nous serons débarrassés de Farhad à tout jamais. Je dis qu'il échoue au prochain combat. Vous voulez parier? Si je veux quoi? Parier? J'ai gagné mon tout premier million dans des paris illégaux. Vous étiez au courant? Tais-toi donc, imbécile. Je te défends de crier victoire trop tôt. Ça peut nous porter malheur. Il est superstitieux. Alors là, c'est le comble. Regardez. C'est le mont Alpuzu, on y est enfin. Oui, mais on n'a pas un instant à perdre, le soleil va bientôt se coucher. Farhad Benacer, je te défie solennellement de m'affronter en duel, selon le code d'honneur du désert. Oh non, encore lui. Ne t'en fais pas, va te battre, et cette fois, prends tout ton temps. Tâche de rester vigilant. Ben, monte la tente, Ali, suis-moi. Saleur, on dirait le... Casque du chevalier. Je suis sûre d'en avoir emmené un. Ah, le voilà. C'est quoi, hein? C'est un spectrographe. Un spectro quoi? Ça sert à mesurer les fantômes? Pas vraiment. Mais il va peut-être nous en dire plus sur la nature de ce mystérieux chevalier. Et attention, il s'échappe. Je l'ai arrêté avant qu'il ne prenne la poudre d'escampette. Bon, et maintenant au travail. Dis-moi, qu'est-ce que tu comptes découvrir là-dedans, hein? Évidemment, j'en étais sûre et certaine. De quoi est-ce que tu parles? De quoi tu étais sûre, Fiette? Ce casque est fabriqué à partir d'un alliage de Mofran et de Mobile Denoum. On dirait des marques de lessive. Non, ce sont des métaux qui ont été découverts récemment. Et par conséquent, il ne peut s'agir d'un guerrier antique. Et donc, il s'agit encore moins d'un fantôme. C'est le genre de gadget diabolique qu'emploierait... Snarkov! Par tous les diables! Mais ça veut dire que le duel... n'est qu'une vulgaire et infâme machination. Oh, sérieux! Mais attendez un petit instant. Le code d'honneur stipule clairement que... Oh, et puis c'est casse! Il faut à tout prix que je mette au point une potion toute puissante. Parce que... Oh là là... Et parce qu'il faut absolument sauver Farhad, à point c'est tout. Alors fais vite, parce qu'il s'épuise. Un tour à l'expéditeur.
Et à présent, valeureux chevalier, va donc tourmenter ceux qui t'ont envoyé ici. Le soleil se couche. Un petit effort. Je ne crois pas que je pourrais arriver. Ali, donne-moi une potion. Oh non, je crois que j'ai utilisé tous mes meilleurs élixirs pour nous débarrasser de ce chevalier. Et je peux faire une potion énergétique, mais ça va prendre du temps. Combien de temps? Voyons, une heure. Ombre, vas-y à ma place. Je suis désolée, mais j'ai moi aussi épuisé toutes mes forces. Ces combats étaient vraiment éprouvants. Alors c'est le moment pour ce bon vieux Ben de faire quelque chose. Venez, petit prince. Allez, hop. Ben, je n'ai plus 6 ans, je suis beaucoup plus lourd aujourd'hui. Silence et accrochez-vous. Ils ont réussi à déjouer notre plan, mais ça n'a pas d'importance finalement. Nous devons profiter de l'état de faiblesse de Farhat pour l'achever, ça ne prendra pas longtemps. Et Rokan le démon et Abdul Snarkov. Je vous défie sur la défense de m'affronter dans un combat, selon le code d'honneur du... Ah, comment oses-tu, misérable vermine, disparaît de ma vue? Solennellement de m'affronter dans un combat, selon le code d'honneur du désert. J'ai l'impression que nous avons un léger problème. Allez, Ben, encore un petit effort. On y est presque. Ombre, à toi de jouer, va chercher le fragment. Je ne crois pas que j'y arriverai. Il le faut. Oui, la lumière. Je ne peux pas l'atteindre. Oui. Où suis-je? Et quelle heure est-il? Il fait encore jour. Ne t'en fais pas. Je te prépare un remède qui va te remettre sur pied. Le sixième fragment. Quoi, tu ne te rappelles pas? Me rappeler quoi? Tu l'as dans la main. Oh. Et le chevalier en armure, où est-il? Je crois qu'il est en train de relever un sacré défi. Avec de nouveaux adversaires. Je hais ce maudit gamin. On lui fera payer cette infamie. Oui, mais pour commencer... Qu'est-ce qu'il y a? Gokan le démon et Abdul Snarkov. Je vous défie. Encore lui. De m'affronter dans un combat selon le code d'honneur du désert. Pour commencer, nous devons trouver un moyen de nous débarrasser de ce parasite.